Du canal est une grande affaire et des entreprises belges y ont participé d'ailleurs à plein titre. Donc ça, c'est par exemple une des manières dans laquelle l'Égypte s'intègre dans les réseaux de commerce mondiaux et devient un endroit central pour le développement de l'industrie au niveau mondial, évidemment. La visite du site du musée est très émouvante, évidemment, pour un Européen, parce que c'est vraiment la rencontre des cultures européennes et égyptiennes. Ce sont des bâtiments qui sont magnifiques, qui sont superbes. Et donc, comme Belge, comme Européen, j'ai vraiment beaucoup aimé la visite. C'est un musée qui sera fascinant. L'aventure du canal de Suez est fascinante. Et donc, il y a pour l'instant un développement remarquable des musées en Égypte, en coopération avec le tourisme de masse. L'Égypte essaye d'attirer les touristes, je dirais, qui viennent pour le soleil, et de les attirer vers la culture. Je souhaite plein succès à ce musée qui fera vibrer une corde émotionnelle chez les visiteurs européens.